Très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour votre flash d'information de 16h. Le projet dénommé LEAD, UFEP, par le ministère de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et le ministère de la Communication ont lancé ce matin une formation allant du 15 au 19 mars sur le renforcement des capacités des journalistes pour un journalisme sensible au genre et l'appropriation de la politique nationale basée sur le genre. Le but est de sensibiliser les hommes des médias publics et privés afin de lutter contre les inégalités basées sur le genre. Pour la coordinatrice du projet LEAD, Tchad Benoudji Colette, le Tchad, en dehors de son adhésion à de nombreuses conventions internationales poursuivant l'égalité du genre et l'éradication de la violence basée sur le genre. La directrice générale adjointe du ministère de la Communication, Sanda Hiljima, représentant le ministre de la Communication, souligne que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication, s'est engagé à renforcer les capacités des journalistes et professionnels des médias. Selon elle, il ressort du rapport sur le développement humain en Afrique en 2016 un objectif de premier ordre, à savoir accélérer les progrès en faveur de l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes en Afrique. La prévalence du taux du tabagisme est de 33% chez les jeunes âgés de 16 à 32 ans selon les statistiques de 2006. Et c'est pour réduire ce taux que le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, celui de l'enseignement supérieur et quelques partenaires ont initié cette rencontre dénommée la semaine d'éducation, d'information et de sensibilisation sur le tabac, l'alcool et la COVID-19. Rencontre réservée aux jeunes des universités publiques et privées du Tchad. Durant 7 jours, des conférences, des théâtres seront au programme pour sensibiliser la jeunesse sur les méfaits de la consommation de ces produits. La cérémonie de lancement est présidée ce matin par le coordonnateur national adjoint de la riposte sanitaire au COVID-19, Dr Alagangara Yokoide, à la faculté des sciences de la santé humaine. Et puis l'organisation Urgence contre la faim a lancé hier après-midi une campagne de sensibilisation à l'intention des mères allaitantes. À travers cette campagne, cette organisation en partenariat avec l'Institut des technologies innovantes pour le développement entend former 300 femmes de la capitale sur les techniques de fabrication de la farine enrichie. Ceci pour leur permettre d'assurer une alimentation saine à leur progéniture. Les conseillers municipaux de la commune du 5e arrondissement sont en conclave depuis ce matin en vue d'adopter le budget primitif pour l'exercice 2021. Un budget qui prend en compte les investissements dans le domaine socio-éducatif. Selon le maire de la commune du 5e arrondissement, Fatimé Amat Mahamat, le budget s'élève à plus de 600 millions et est en hausse de 20% par rapport à celui de 2020. L'administrateur délégué de la commune du 5e arrondissement, Mahamat Bouloumi, appelle les conseillers municipaux à apporter des suggestions et amendements pour que le budget reflète les aspirations des habitants de cette commune d'arrondissement. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez des nôtres, l'actualité continue sur Télé Tchad avec tout de suite le flash en arabe littéraire.